Des fois, je vous comprends pas. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux nombreuses questions qui fourmillent de plus en plus dans la geekosphère. Je veux bien sûr parler des questions sur le physique de Gal Gadot dans le film Wonder Woman. Le 7 juin 2017, sortait l'adaptation cinématographique de Wonder Woman, interprétée par Gal Gadot. Cela faisait des années que les fans de l'Amazon attendaient ça avec impatience. Le film fut une réussite critique, il recevra même la note de 92% sur le site Rotten Tomatoes, site bien connu pour faire la pluie et le beau temps sur le box-office américain. Un site bien connu aussi pour défoncer les productions DC Comics. Le film fut une réussite commerciale en engrangeant à ce jour 779 millions de dollars dans le monde. Un tel succès ne pouvait pas laisser les gens de marbre. Et même si la plupart sont d'accord pour s'accorder que Gal Gadot est Wonder Woman et qu'elle interprète à merveille l'Amazon, certaines voix se sont élevées pour crier haut et fort leur mécontentement. Un mécontentement pour le moins... what the fuck. Voyez par vous-même. Mais attends, mais t'as vu la taille de ses boobs? Ça a franchement rien à voir avec celle du comics. Pour moi, c'est pas Wonder Woman. Alors effectivement, Gal Gadot n'a pas la poitrine généreuse qu'a l'Amazon dans les comics. Mais est-ce vraiment un problème? En quoi le fait de pas avoir cette poitrine fait d'elle une mauvaise Diana Prince? Gal Gadot est plus que convaincante dans le rôle. Dans les comics, les auteurs avaient privilégié un tel physique pour attirer la gente masculine, ne nous le cachons pas. Le cinéma étant différent des comics à bien des égards, je ne vois pas pourquoi il aurait fallu reprendre ce code-là. Et puis avoir une grosse poitrine n'est pas forcément gage de qualité. Je n'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais les films et les séries sont des adaptations du format papier, et pour le coup, Snyder et Patty Jenkins n'ont pas cru bon de doter Diana d'une telle poitrine. Et si pour vous Wonder Woman, ça s'arrête à sa poitrine, eh ben on n'est pas dans la merde. Généralement, c'est après qu'on me sort cet argument. Ouais, bah niveau réalisme, ils peuvent aller se rhabiller chez DC, hein. C'est une Amazone, normalement, elle devrait pas se raser sous les bras, pas comme dans le film. Moi, ça me dérange. Pas faux, je l'avoue. Si la prod et la réal auraient voulu jouer la carte de l'ultra-réalisme, il aurait fallu qu'elle ne s'épile pas sous les bras, ainsi que le corps en général. Mais moi, perso, ça me dérange pas qu'elle ne l'ait pas fait, hein. Eh les gars, on parle d'une Amazone immortelle, à la force surhumaine, qui a un lasso de vérité à la ceinture. Et c'est le fait qu'elle ait les aisselles épilées qui vous dérange? Les dessous de bras épilés, ok, c'est un manque de réalisme. Ça fait partie des petites erreurs de cinéma dont on doit pas tenir rigueur. Et on ne doit sûrement pas en tenir rigueur. C'est comme dans les films où les mecs regardent jamais dans les rétros ou bougent le volant de gauche à droite quand ils roulent en ligne droite. Alors oui, c'est pas réaliste, mais on s'en fout. Et si on suit votre logique, dans le comics aussi elle a les aisselles épilées. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui empêche d'être guerrière, princesse, amazone et aussi coquette? Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais certains n'ont pas peur de repousser les limites de la mauvaise foi au maximum. Écoutez ça! De toute façon, moi je voulais Lucie Lawless pour incarner Diana. Y'a qu'elle qui trouve grâce à mes yeux pour incarner Wonder Woman! Dis-moi, ami de mauvaise foi, sais-tu que demander Lucie Lawless pour jouer Diana Prince dans un film Wonder Woman en 2017 est complètement dénué de sens? Faut vraiment être un qui courageux pour demander Lucie Lawless en Diana Prince en 2017, hein? Je le rappelle pour les plus jeunes, Lucie Lawless est une actrice qui campait le personnage de Xena dans la série éponyme en 1995. La série mettait en scène la guerrière Xena dans un monde mythologique se déroulant dans la Grèce antique. La ressemblance à l'époque avec Wonder Woman était évidente, je pense même qu'elle était voulue. Mais c'était il y a plus de 20 ans! Si on était dans les années 90, pourquoi pas? Mais on est en 2017, et je le rappelle, Diana Prince doit avoir le corps d'une jeune femme de 25-30 ans. Et aujourd'hui, Lucie Lawless a 49 ans! Elle a beau être encore bien conservée, mais là elle ne correspond pas à la jeunesse de Wonder Woman. Elle aurait pu jouer, à la limite, le rôle d'une Amazon mentor, à l'image d'une Robin Wright, ou de la Reine Hippolyte, mais en aucun cas celui de Wonder Woman. Les mecs, faut savoir vivre avec son temps. En résumé, dis-toi, c'est pas parce que tu as une préférence ou que tu as relevé une incohérence que c'est forcément intéressant, et qu'il faut absolument le partager sur les internets. Peut-être que d'autres personnes ont vu la même chose que toi, mais qu'ils étaient assez intelligents pour pas en faire une polémique digne des forums de jeuxvideo.com. Et que faire des polémiques, juste pour faire des polémiques, ça te fait passer pour un putain de Kikou Kevin. Donc en gros, tu réfléchis, tu prends du recul, et t'arrêtes d'être con.